À fond maintenant. Garde le fond maintenant. C'est comment All Black Modo? Marcel, c'est comment? C'est ça que tu portais la vidéo? Il n'a pas chanté le morceau, il est comme monsieur ça. Aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va se savoir. Bon, j'ai fini de partager. Bon, je vais saluer les gens d'abord, avant de commencer. Mathieu, c'est comment? T'es caché dans le fond là-bas. Black Modo, Conan Patricia, c'est comment? Smalto, Guicho Dago, c'est comment? 22 Zakba, David Clément, c'est comment? Mekapelfo, c'est comment? Moussa Kalaba, c'est comment? Conan Patricia, Anis, c'est comment? Anis, c'est comment? Axel, Lydie Cole, c'est comment? Elisa, Akishi Nadej Yapo, c'est comment? On dit que Joe, Akishi Nadej Yapo, toujours me salue, mais je ne réponds pas parce que quand je commence la vidéo, c'est la première à me saluer, mais concentré sur mon portable. Donc du coup, je ne réponds pas, parce qu'il ne voit pas. Aujourd'hui, j'ai vu. Akishi Nadej Yapo, c'est comment? Akishi Nadej Yapo, c'est comment? En fait, je me rappelle quoi pour les vidéos antérieures où je ne t'ai pas salué. Akishi Nadej Yapo, c'est comment? Akishi Nadej Yapo, c'est comment? Jeff Freddy, c'est comment? Le cheval blanc, c'est comment? La calache. Bon les gars,
Regardez la vidéo. Non, c'est pas un issue, c'est bon. Partagez la vidéo, on va commencer le travail là. Comment vous dites de partager, c'est pas important. Sinon, je n'ai rien à foutre de vos partages. Ça ne m'envoie pas du temps. Ça ne m'envoie pas du temps. Vous m'avez partagé il y a 79 partages. Vous m'avez partagé 70 fois dans 70 groupes. Ils sont 197, il n'y a pas de partage. Le Baka. Ah, mon Baka maintenant, c'est 150 places, mais ils font surcharge quoi. Ils sont à 195 personnes, c'est pas mauvais. On va comment? C'est un forgeron, on devient forgeron. Partager, on va arriver au 100 partages. Nous, on n'a pas fait à vue. Voilà. Partager, on va arriver à 100 partages. Puis on va commencer. Nous, on n'a pas beaucoup, c'est pas égoïste. Auriol Tridali, c'est comment? Et pourquoi tu vas maintenant qu'on avait la main de... Je vous les mains. Je m'en lave les mains. Guide-le, partagez la vidéo. On va quitter ici là. Voilà. Le Baka, même si c'est 150 personnes qui sont sur chaîne, mais nous on a un objectif, c'est 100 partages. Voilà. On fait comme Makoso Sefa le King. Makoso, t'es dans paix actuellement. Ah, Makoso quoi, l'homme de coup d'état. Makoso c'est un djihadiste. Jean-Marc Léo, c'est comment? Partagez la vidéo. On va quitter ici là. On n'a pas que ça à faire, les gars. Voilà. Partage ça coûte rien. Mais vous avez peur de quoi? Ça m'en a peur de partager une vidéo pour dire, ah lui, le FPI, les 30 ans, si les partages vont me tuer. Et la peur à chaîne d'écran. Partagez la vidéo ici en quittant ici là. Ou mais c'est quand on fait là. Voilà. Je vous donne des idées. Partagez. Et puis quand la vidéo finit, vous effacez. Voilà. Partagez. Maintenant, quand la vidéo finit, vous supprimez sur votre mur. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à branler. Si c'est pas si votre mur ou pas, tout qu'on fait, il n'est pas contrôlé. Partagez d'abord. Et là seulement, il y a vérifié ici. S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de vidéo. Là, moi, il y a tout le temps. Hein. Il ne travaille pas. Oh. Il y a tout le temps même. Ah, des 5 ans. Tout le temps, même. Tout le temps. Tout le temps. Attends, on va voir. Moi, les partages. Moi, je cherche 100 partages. 84 partages. Il reste 16 partages. C'est pas mauvais. Poussez un peu le mercure en l'air. Non, pas bien de vue. Nous, non, bagage 150 personnes. Voilà. C'est en temps de me dire à 150 passages. Maintenant, si vous avez 204, c'est sous chaise. En tout cas, débrouillez-vous là-bas. Voilà. Moi, mon bagage, c'est 150 personnes. C'est le bon bagage, il y a climatisé. Les hôtels sont là. On sait le quoi, le café, bien, tout ça. Bon. Il y a les peines dans le partage. Non, c'est pas à cause de ça. Il a fourni ma vidéo. On va commencer la vidéo. Bonjour. Tamara Christian, c'est comment? Voilà. Bonjour aux 217 passagers de mon Baka. C'est qu'il y a surcharge. Parce que moi, je suis habité à prendre 150 passagers. Mais ils sont pressés. Ils veulent monter dans le train de la réconciliation. Donc, on y va. On s'en va. Apprenti, pourquoi? On commence là. Bonjour, les frères. Bonjour à tous ceux qui viennent de me prendre en marche. Voilà. C'est un dessin animé. Je suis prêt à présenter le capitaine du Brassard. Voilà. Est-ce pensionnaire de la Gendarmerie nationale du Côte d'Ivoire, précisément à l'escadron 3-1 d'Abobo. Bon, entendez par escadron 3-1, camp commando. Conduit 3-1, c'est le premier escadron bas de la première légion mobile. C'est comment on dit ça? 3-1. 3e escadron de la première légion mobile. Si on dit 4. 4e escadron de la 4e légion mobile. Je ne sais pas si c'est Korogo, je ne sais pas, mais il ne connaît pas. Je ne suis pas là pour connaître ça. En haut là-bas. Voilà. Malin Jojo, il faut partager. Ça ne coûte rien. Non, mais au fait, Malin Jojo, partager, c'est informer, c'est relayer le message. Ne soyez pas égoïste. Parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment des animés, vidéos, qui sont amis à vous. Si vous ne partagez pas la vidéo, est-ce qu'ils pourront voir? Ben, c'est pas toutes les personnes qui reçoivent des notifications quand je fais des vidéos. Voilà. Donc, raison pour laquelle on vous dit de partager. Ne soyez pas égoïste. Ça, là, on parle de ma main. C'est pour juste informer les gens qui ne reçoivent pas les notifications. C'est juste ça. Voilà. Donc, partager, c'est informer, c'est tout. Ne gardez pas les personnes pour vous suivre. Parce que nous sommes dans une période sensible. Tout le monde doit être au même niveau d'information. Pour ne pas être surpris. C'est où on va là. Ça va plus s'arrêter. Makoso a prévenu, voilà, l'homme aux visions, l'homme qui a des visions, il a prévenu.
Voilà, donc, c'est de ça qu'on va parler. Attaque à répétition dans le nord du pays. À qui profitent ces attaques? Bon, hier, j'avais fait une vidéo. C'est la suite des événements. Ce que j'ai dit hier, là, même pas ça fait 24 heures, on a vu des résultats. J'ai dit que ce n'était pas des terroristes. C'était des déflatés de la rébellion qui n'ont pas eu gain de cause, qui sont en train de d'harceler. Parce qu'en termes de combat, ce qu'ils font là, on appelle ça du harcèlement. Voilà. Dans le jargon du combattant, les gens sont dans un poste, on vient, papa, on tire et puis on les plie. On se cache dans les buissons, on tire et puis on les plie. Ça, c'est du harcèlement. Voilà. Parenthèse, avant de continuer la vidéo, il y a fait un peu vers le showbiz là. Il voit les publications par rapport aux danseurs là. Isé. Les gens font pas là, c'est Isé. On dit non, Isé, il est ingrat. Que pourquoi Isé veut voler la vedette aux artistes? Que pourquoi c'est Isé, on invite? Et pourquoi Isé décide pas de venir avec l'artiste? Et du coup, il n'y a pas là. Non, Isé est ingrat. Et vous êtes malade dans votre tête. Ceux qui pensent que Isé est ingrat, attends. Ils ont pissé dans votre tête une fois. Isé, c'est un danseur. Voilà. C'est même pas un danseur certifié même. C'est un gars, on l'a pris, on dit, viens, tu vas danser. Nul n'est censé ignorer, à part les Arafat là, les danseurs qu'on voit dans les clips là, ils viennent juste rendre service parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Même 5000 francs, eux ne gagnent pas. En Afrique, c'est un plaisir de venir danser avec un artiste. Pourquoi? Pour juste te faire voir à la télévision. Vous comprenez avec moi que ça se passe comme ça en Afrique. C'est pas comme en Europe, on dit, ah, viens dans certains pays. Non, en Afrique là, combien tu cours pour sortir de la clip des gens? On te promet là, tu refuses parce que tu veux te faire voir, tu veux qu'on puisse te voir à la télévision. Ça, c'est optique là. Que Isé, elle est son ventre là. Ils voulaient se faire voir. Là, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans le clip. Dans les morceaux, ils ont chanté là, Isé. Le contraire, Isé est fini. Parce que Isé voulait juste danser, c'est tout. Vu qu'il sait danser, c'est fini. Donc, bizarrement, Isé, c'est 20 ans. D'avoir fait le clip des 100 façons, quand elle a mis les maquis, quand même le morceau, lui il danse pour se mettre, il danse parce qu'il a la joie au cœur, lui il danse, il est content parce qu'il a fait un clip, donc lui il danse, il s'en réjouit. Le clip a demandé, on peut demander, mais Isé n'a pas reçu un rang, quand elle a fait le clip. Au contraire, mais il doit au chanteur là, parce qu'il a presté, eux, ils l'ont vu dans la télévision, ils l'ont vu sur YouTube. C'est lui-même qui doit au chanteur là, aux artistes là. Donc Isé. Le fait d'être fier, d'avoir fait une apparition dans un clip, donc il est content. Isé chaque jour, c'est comme Amina Blendé. Isé dans les parties chaque jour à l'époque. Lui, il danse pour montrer sa joie des vifs. Donc c'est comme ça, avant le confinement, Isé dans chaque maquis, il est géré des maquis. Donc lui, pour engérer ses clients, parce que c'est un manager de maquis. Donc pour engérer ses clients, Isé lui danse. Il vient s'humilier. Les gens ont traité, oh, mais vieux inconscient, pourquoi tu es vieux comme ça? Tu montes ton ventre partout, tu sièges. Mais Isé, lui, s'en foutait. Puis, dans son travail de manager des maquis. Donc, du coup, lui, c'est pour amuser, c'est pour mettre l'ambiance par rapport à ses clients. Donc, c'est comme ça, là, avant le confinement, Isé a presté. Et il y a une dame, ou bien, je ne sais pas qui l'a fumé en cachette. Ils ont fumé Isé en cachette en train de danser. Et puis, ils ont gardé. Donc, on entre dans le confinement. Encore du bois, on connaît pas le morceau. Ils ne le connaît pas. Donc c'est comme ça, encore du bois, quand on lève le confinement, vous savez, on aime faire les montages vidéo. Donc c'est comme ça, la personne qui a filmé Isé là, met la vidéo sur YouTube, sur Facebook, et puis disons, voici un gars qui s'est réjoui après le confinement. Donc on voit Isé en train de danser comme. Au fait, la danse de Isé illustre le libellé de celui qui a publié la vidéo. Donc le gars met en titre, voici un gars
qui est en train de danser parce qu'ils ont levé le confinement. Voilà. Donc c'est comme ça maintenant. Le morceau, on voit l'idéiser. Au fait, les gens sont contents. C'est pas à cause du morceau. Mais c'est la détermination d'Élysée dans la danse. Sa gestuelle. Sans complexe. Un gars qui, en public, qui arbore son bidon, son gros ventre, sans complexe. C'est ce qui a plu aux gens. Et non le morceau. Mais comme c'est une complémentarité, c'est sur le morceau, il fait la gestuelle. Les gens vont en. On voit ici au côté du morceau. Sinon, eux là, quand ils viennent imiter là, eux ils chantent pas le, morceau. Et c'est les gestes et ils imitent. Les gestes de Isé. Du père Mikou, Isé Mikou. Qui sans complexe est venu s'humilier d'un maquis. Et il a été filmé. Voilà. Dans son quartier où il est là, on l'insultait. Pour dire, ouais, vu inconscient, ton gros vote là, je sais pas travailler de toi. Qui danse avec maquis, mais lui sur son travail. Manager là. Donc pour mettre ses clients à l'aise. Isé, lui, danse tranquille au calme. Donc lui qui l'a aidé là, c'est le gars qui l'a filmé en cachette, qui a mis ça sur les réseaux après le confinement, qui a mis en titre. Voici un homme qui est fier que le confinement a pris fin. Donc du coup, il manifeste sa joie. Et on voit Isé hystérique en train de danser. C'était une vidéo d'archives. Donc c'est comme ça prend maintenant. Les gens ont été plaints. On dit Isé vole la vedette aux artistes. Que Isé, on est vu sur les plateaux. Hé, vos mots diables. Voilà. Isé là, il n'a jamais dit aux gens, invitez-moi sans les artistes. Si vraiment là, les journalistes là, et ils aimaient le morceau, ils allaient inviter et Isé et les artistes pour venir prester et puis Isé dansait. Mais quand ils invitent là, ils ignorent les artistes, mais ils invitent Isé. Parce que Isé, il est sans complexe. Isé est capable de se déshabiller, monter son gros ventre et il s'en fout de ça. Il danse. Donc c'est ça, les gens aiment, c'est Isé. C'est pas pour du morceau. Certes, c'est Isé qui a mis le morceau en valeur. Mais eux là, c'est pas pour du morceau, eux. Et ils aiment Isé. Mais c'est la gestion, le sang complexe que Isé fait dans la musique. Là. C'est ça, ils aiment. Voilà. Donc ceux qui sont là qui se plaignent pour lui, non. Mais Isé est ingrat. Pourquoi ils n'invitent pas les artistes? Eh, bon mot d'IA. Voilà. Si la gueule d'Ostalie est invité là, elle devient invité, les 100 façons. Et puis c'est eux qui viennent Isé. Ou bien si elle voulait pas Isé. Pour ne pas être ingrat, pour ne pas créer des frustrations, on dit, moi, Isé, on t'invite, mais par ricochet, il faut appeler les artistes là, quand ils vont prester, toi tu vas danser, nous on va voir ce qui s'est fait. Voilà. Sinon, Isé là, lui peut dire, il s'en fout de ça. Isé peut dire, il n'est pas maquis. Lui, il appelle vos cassettes là. En aucun cas, il peut payer un droit d'auteur. La preuve en est, quand on était petit dans les temps passés là, il y avait des danseurs qu'on appelait Pablo et Joy Gore. Et ils faisaient des coupures de morceaux qui peut-être dansaient dans les quartiers. Et ils se promenaient dans les quartiers et ils dansaient. Est-ce que les chanteurs se plaignaient pour dire, mais pourquoi ils dansent sur nos morceaux, ça ne fait pas mousser. Jamais de la vie. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Voilà. On appelle ça la sorcellerie. Ils n'ont pas de radio. Ils n'ont pas de télévision. Voilà. Donc ceux qui l'invitent là, ceux qui disent, ils viens avec les danseurs, viens avec les choses là, les artistes là. Et puis ils vont chanter, tu vas danser. Voilà. Donc c'est pas Isé, c'est pas lui qui doit mettre les artistes en valeur. Au contraire, lui il a contribué à la promotion. Il doit être remercié. Mais quitte aux gens du showbiz qui invitent Isé ceux-là, c'est eux qui sont pas normal. Donc vous ne voulez pas qu'on attaque Isé pour dire non mais Isé est un gars. Non. Isé se cherche. Voilà. Isé se cherche. Dans le clip qu'il a dansé même là. Lui-même il doit aux gens passer. On l'a appelé. Lui-même il voulait nommer son nom. Ah. Lui-même il a donné pardon. Et il a dansé un peu, il a dansé de votre clip. Même elle, on n'a pas payé. Mais lui, il voulait danser, c'est tout. On voit ça en Afrique. Tous ceux qui font clip en Afrique, ils ne sont pas payés. Et même, ils doivent vous chanter parce qu'ils ont dans la télévision. Voilà. Donc, Isé, c'est son lock. C'est son lock qui a fait à cause de son ventre. C'est son ventre sans complexe qu'il a arboré, là, qui a plu aux gens. Voilà. Sinon, en temps normal, si les gens aimaient le morceau, là, ils allaient dire, mais ah, bon, c'est grâce à Isé. On a découvert le morceau. Bon, Isé, nous, on le laisse. On va appeler les artistes, là, parce qu'ils sont forts. Mais les gens ont écouté les morceaux. Depuis que le morceau a fait moucher, est-ce qu'ils ont appelé les artistes? Non, jamais. Ils n'ont jamais appelé les artistes. Voilà. Ils ont appelé Isé. À cause de sa gestuelle, le fait d'être sans complexe en public, le fait de se déshabiller et puis montrer sa joie de vivre. C'est ça qui plaît aux gens. Ça n'a rien à voir avec le morceau. Donc ne venez pas dire que Isé fait du plagiat. Au moins, si Isé
si ils étaient chanteurs qui copiaient le morceau, ils avaient du plagiat. Mais ils étaient du danse. Non, non, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Si vous ne voulez pas aider les artistes, ne mentez pas si ils étaient. Voilà. C'est vous qui invitez les gens qui devaient dire non. Venez, ils étaient. Viens avec les artistes, ou bien on invite les artistes, venez à Izé. C'est eux qui disaient, venez à Izé. C'est pas Izé qui t'a imposé pour lui, non, vous là, venez, invitez sur les artistes. Jamais. Lui, il cherche son domanda. Il cherche son mangement. Bon, à supposer les artistes, si elle était fort là, quand elle invitait en France là, est-ce qu'elle venait à Izé? Jamais. C'est seul à la fin qui vient, c'est l'artiste. Depuis quand vous avez vu artiste Zouglou venir être dans ce en France, ça n'existe pas. Mais à cette allure où ça va là, on peut inviter Izé en France. Et puis laisser les artistes là. On fait rien à eux. Voilà, ils n'ont pas gros ventre comme Izé. Ils ne sont pas dévoués. Ok, Izé, lui, est sans complexe, il est dévoué. Donc c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Sauf si vous aimez le morceau là. Les artistes, là, ils ont été invités sur tous les plateaux de télé. Tous les plateaux de télé. Mais ce n'est pas les artistes. C'est Izé. Sa joie de vie, sa gestuelle, qu'il aborde sans complexe en public. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, soutien à Izé. À bas les conspirateurs qui vont dire que Izé est un gars. Il n'est pas un gras. Considérant que Izé là, il n'est pas danseur. Parce que ce n'est pas un danseur professionnel. Voilà, il n'est pas Maki pour dire ouais. Même Maki, il a eu plein de droits d'auteur. Donc, parce que ton morceau fait mousser mon Maki. Moi, quand t'es payé, quoi. Oh putain, il fait au boulida. Vous êtes sur lui là. Considérant que Izé a pris sa cassette, il s'en va de Maki, lui, dans ses fini. Donc, on paye cassette là-dedans, puis dans le dos, quoi. Ça ne va pas la tête. Ça va pas la tête. Donc, emmerdez Izé. Dites à LTI Musique là. Si vous voulez inviter l'artiste et le danseur. Voilà, c'est tout. Soit Izé, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas signé contrat. Voilà. Donc, c'est juste ça. Mais ça chauffe mon cœur. Que Izé, tout ce n'est pas les pour toi. Quand 20 minutes cadeau comme ça dans ma vidéo. Voilà, c'est chaud. Hein. J'espère qu'on est clair là-dessus. Bon, revenons aux attaques d'hier. À qui profitent les attaques à répétition dans le Nord? Et puis ce qui est bizarre, les attaques là, ils ont répertorié. Quand c'est au Nord, c'est Prosoro. Quand c'est à l'Ouest vers le Sud, c'est la Probago. C'est comme ça, hein? Ou bien regardez, c'est moi. Quand c'est au Nord là, c'est les Prosoro là, c'est eux qui font ça. Voilà. Maintenant, quand c'est au Sud, c'est les Probago. Mais, venons au fait. Comme hier, je vous ai expliqué, il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est des déflactés, des rebelles qui n'ont pas pu mettre dans l'armée. C'est eux qui sont en train de régler les comptes. Et moi, ce qui me fait mal, hier, dans les attaques, je vous avais dit que eux, ils ne tuent pas gendarme. Voilà. Bizarrement, le gendarme là, l'autre là, ils l'ont retrouvé. Mais lui, il a un problème. Le gendarme, il a un problème, pourquoi? Parce que pour eux, il n'est pas mort. Donc, il a un problème. Je connais mon corps, je connais la gendarmerie. Le petit Mao là, qu'on a retrouvé après l'attaque là, il est dans un problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais pourquoi il n'est pas mort aussi? Mais ok, il n'a rien à voir. Ça se trouvait, les gens venaient attaquer. Son caca venait, son doigt venait. Il dit, moi, il a dit chier quelque part. Au moins, il va chier. Il y a il y a coup de feu. Ses amis meurent, lui, il ne meurt pas. Et pour cela, la gendarmerie va lui créer des problèmes. Et ce cas-là, je vous l'ai dit hier, dans cette zone-là, dans la zone de Congé au Dini, là, c'est que les coupés les routes. Des anciens rebelles qui sévissent là-bas. Il y a un gendarme qu'on appelle Ewo. Voilà, Ewo. Qui était à Touba, à l'escadron de Touba, qui devait faire une mission aussi vers Ewo là-bas, vers Kongla. Il était désigné, détaché là-bas. Or, pendant ce temps, deux jours avant sa désignation, il y a des FSI, des FASI là, qui sont aussi en mission dans le même secteur là. Et ils ont été abattus par ces gens-là. Ces gens qu'on appelle coupés de route, ou bien, c'est pas les anciens FSI là, qui les cherchent là. Ils ont au moins tué trois. Donc, deux jours après, le jeune gendarme Owo
Lui, il s'en va en service là-bas. Et les mêmes coupés de route, la trappe. Mais lui, on le dépouille de son portable. On prend tout sur lui. Et on prend son âme et on le laisse. Voilà le problème. Il est arrivé dans son camp. Il y a le commandant de légion qu'on appelle Tamba. Il s'offusque pour dire, mais pourquoi lui, ils ne l'ont pas tué? Pourtant, les FSO ont travaillé avant-hier là-bas. Eux, on les a tués. Mais pourquoi lui, là, les gens l'attrapent et ne l'ont pas tué? Mais pourtant, les djihadistes, là, c'est ce qu'on appelle djihadistes, ça. C'est pas les djihadistes. C'est des déflatés des FSI. Les attaques, là, ils ont prévenu à la brigade de Congo. Ils ont envoyé mot d'ordre là-bas pour dire, nous, là, on n'a pas affaire à vous. On a affaire au FSI. Parce qu'on était lésés par eux. C'est à eux qu'on a affaire. Mais bizarrement, comme il y a les élections, il faut activer les réseaux. Les gens maintenant commencent à se signaler. Sinon, il y a longtemps, ils faisaient ça. Il y a longtemps, ils coupaient les routes, ils tiraient les gendarmes. Mais ça n'a jamais fait écho. Mais comme aujourd'hui, là, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, faire un maximum de victimes, raison pour laquelle ça a pris écho. Voilà. Maintenant, ce qui est bizarre dans cette affaire, les gens disent que c'est des djihadistes. Moi, je dis que ce n'est pas djihadiste. Voilà, parce que je sais de quoi je parle. C'est des militaires qui attaquent les positions de FSI. Parce qu'ils sont lésés. Ils ont été lésés par les anciens chefs qui avaient promis de les mettre dans la rébellion. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre, on les nomme, on les traite comme des djihadistes. Mais ok, il n'y a pas de problème. Bon, si là, on les traite comme des djihadistes, pourquoi dans un communiqué de Ahmed Bakayoko, lui peut associer ces djihadistes-là au narcotrafic? Est-ce que pendant le combat là, est-ce qu'ils ont pu attraper un de ces combattants qui a fait des aveux? Mais pourquoi est-ce que Ahmed Bakayoko fait le rapprochement entre ces gens-là et le narcotrafic? Question. On va écouter Ahmed Bakayoko ici. Il veut brûler les pistes, mais on te tient. Et puis ce qui est bizarre, voilà, parenthèse. Ahmed Bakayoko, il ne faut pas essayer de brûler les pistes. Ton affaire de narcotrafic, narcotrafic là, c'est un truc qui est international. Même si vous voulez ici là, essayez de brûler les pistes. Ça va toujours démurer. Au moins, c'était une affaire ivoirienne. Vous pouvez, si c'était un scandale ivoirien, on pourrait brûler ça. Mais c'est un truc international. Donc, ce n'est pas la peine de faire un schéma là, pour vouloir brûler les pistes. Et toi-même, hier, ce que tu as fait, ça, c'est la pour ça ton mea culpa. Voilà. Tu te culpabilises. Le fait que tu viens faire une conférence et qui associe le narcotrafic, qui n'a rien à voir avec cela. Mais il faut savoir, il faut donner le sien pour savoir que non, les djihadistes veulent se mettre en fusion avec les narcotrafiquants. C'est même le boss qui sait ça. Sinon, en temps normal, vous n'avez pas fait de projet de guerre. Mais qui a fait des aveux pour que toi puisses, Ahmed Bakayoko, tu puisses relayer le message dans un de tes commentaires hier? On va écouter ça. Vous voyez, quand on n'est pas une prison, ce n'est pas bon. Hein? Il vient se fourvoyer ici. Écoutez bien, Ahmed Bakayoko. Écoutez, hein. De toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Écoutez, hein. Nous avons anticipé que de toute façon. Écoutez, hein. Nous avons anticipé que de toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. Non, non, mais. Baga, comment t'as dit ça que les terroristes se sont liés aux narcotrafiquants? Comment t'as dit ça? Comment tu as quelqu'un qui a infiltré là-bas ou bien? Non, on ne comprend pas, explique-nous. Vous n'avez pas fait des prisonniers pour dire non, ah, ils ont fait des aveux. Pour dire non, nous les djihadistes là, on a nos gars dans la côte africaine, donc on veut créer un checkpoint. Comment tu as dit ça, Ahmed Bakayoko? Comment vous savez ça, monsieur le ministre, que les djihadistes là, vos supposés djihadistes là, veulent s'associer aux narcotrafiquants? C'est un nouveau mot, non? Sinon, on ne sait pas ça en Côte d'Ivoire. Voilà. La preuve en est, tu étais ministre de la Défense, ils ont pris des gens à Bobo là-bas. Et 3 tonnes de choses, de cannabis. Tu l'as même fait le son, quoi. Il n'y a pas son. Attends. Non, il parle pour les rien, quoi. Attends, lui, là, si tu fais ça, si tu n'y a pas son, là, et qu'il y a son, il était supprimé. Hein. Alors là, tu as dit, me dis ça, là. Attends, viens voir. Il n'y a pas son, ça va comment? Tu me dis, c'est attends, je vais le supprimer. Il y a son ici? Il n'y a pas son. Attends, je vais le supprimer, le gars. Il y a son, comment il n'y a pas son? Attends, il supprime, le gars. Attends, ils sont beaucoup dit, il n'y a pas son.
Mais il y a son pour, il n'y a pas son. Il n'y a pas son comment. Moi, il parle maintenant ici, il n'y a pas son comment. Attends, attends, comme ici, attends. Il y a son pour, il n'y a pas son. Mais pourquoi tu me dis ça, pourquoi? Je suis le soumis, c'est lui qui a commencé, le soumis, attends. C'est mort de aide, il est où, où le. Bon, il te laisse. On va écouter un peu quelqu'un ici. Écoutons-le ici. Il est en train de se pourvoyer. Écoutons-le bien. Nous avons anticipé que de toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Nous, on sait pas. On sait comment, non, on sait pas. Dans notre famille, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de narcotrafiquants. Donc, nous, on sait comment, non, on sait pas. Même dans l'actualité, la gendarmerie dit, narcotrafiquants liés aux terroristes. C'est deux branches de crimes différents. Narco, les gens sont narco. Djadistes, ils sont djadistes. Comment tu peux dire que les narcotrafiquants se sont alliés aux terroristes? Bon, Jean, tu veux nous formater? Parce que quand toi tu es indexé là, comment c'est que le djihadiste est mauvais là? Tu veux faire entrer le narcotrafic dans le djihadiste? Pourquoi plus toi t'oublier, mais t'as tiré à terre. Parce que si vraiment le narcotrafic était lié au djihadiste là, pourquoi ils ont pris le 3 tonnes de cannabis à Bobo, à répétition, 3 fois? Tu n'as jamais fait le communiqué, ne savais pas quelque chose. À Bobo ici là, si tu aimes tant anticiper là, à Bobo ici là, ils ont pris une femme. Voilà, Boron TV. Elle met beaucoup de caisses de drogue. Tu n'as jamais fait de communication. Ils ont pris encore un vieux encore. Il n'a jamais fait de communication. Mais aujourd'hui là, il ne s'agit pas de narcotrafic. On dit les forces, les positions de nos soldats sont attaquées. Toi, tu viens pas de narcotrafic. Ah, donc tu lances, tu veux nous formater quoi. Tu veux anticiper. Tu veux anticiper, c'est ça. On écoute, hein. On écoute ici. Nous avons anticipé que de toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. Les djihadistes qui avaient des visions fondamentalistes, donc religieuses, se sont liés aux narcotrafiquants qui cherchent des chemins de trafic. Et tout le monde sait que l'aboutissement de ces chemins de trafic, c'est d'avoir accès un port. Donc, bon, il dit l'aboutissement de ce narcotrafic là, c'est d'avoir accès à un port. Ah, mais parce que t'es pas intelligent, ça me fait mal de dire que t'es pas intelligent, t'es ministre. Il dit l'aboutissement de ce narcotrafic là, c'est d'avoir accès à un port. Mais les narcotrafiques là, même si ils ne sont pas allés à l'école, ils connaissent le chemin qui est loin et ils connaissent le raccourci. Vous là, prétendez avoir accès à un port et commencer votre combat jusqu'à San Pedro, ils vont laisser les pots. Mais pourquoi ne pas prendre le chemin le plus court? Si on veut avoir accès à un port là, il y a la Guinée qui est là. Il y a la Guinée qui est tout près, la Guinée bien Libéria. On peut taper là, papa, et puis on sort au port de San Pedro. Mais pourquoi commencer au nord, faire les conquêtes jusqu'à dépasser tout le nord, penser par Boaké, Abidjan, Abidjan, prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Non, ils veulent avoir accès à un port. Mais pour avoir accès à un port là, même s'ils ne sont pas là à l'école, ils savent le chemin qui est le plus rapide, qui est le plus court. Mais moi, je vois un chemin qui est rapide. Pourquoi ils prennent un chemin qui est long? Parce qu'ils étaient au Burkina pour avoir accès à un port là. En tout cas, mon cher, c'est un parcours de combattant. Mais pourtant, le Libéria qu'elle a là, on peut taper là, pop, pop, et puis on sort à Clan Bélébi, on n'a pas. Mais pourquoi vous foutez de nous, pourquoi? Monsieur Ahmed Bakayoko. Donc ça prouve que tu es trempé jusqu'aux os par rapport au narcotrafic en Côte d'Ivoire. Et là, ici, tu veux essayer de nous formater, tu veux nous embrouiller, mais tu peux pas nous embrouiller. Parce que là, quand elle dit, tu es en train de te fouvoyer. Voilà. Parce que les narcotrafics là, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'école, qu'ils sont à l'école, mais ils sont pas bêtes. Il y a un chemin qui est plus court. Et moi, je prends un chemin qui est plus long. C'est moi qui suis au Burkina pour faire mon business de drogue, pour avoir accès à la mer. Moi, je commence à combattre de Korogo, au Djéné, de Dessin, Séguéla, Boaké, Jamsokro, jusqu'à Abidjan. C'est une rébellion, bien.
Ou bien dis-nous que c'est rébellion. Hein? Dites-nous ça. Parce que ça répond à quelle logique de voir un chemin le plus facile et prendre un chemin le plus long. Ça répond à quelle logique. On écoute ta mère par quel coup. Que l'aboutissement de ce chemin de trafic, c'est d'avoir accès à un port. Donc, le plus important pour nous, c'est de faire face, de protéger notre territoire, de protéger notre population. Je peux assurer que le niveau d'organisation de nos forces est tel que leur réponse sera rapide. Et nous allons renforcer nos moyens parce qu'il n'y a jamais, évidemment... Et puis, ils vont renforcer leurs moyens. Mais pourtant, moi je vous ai dit ici hier, tous ceux qu'on amène au nord, qui sont mutés, comme gendarme là-bas, là. D'abord, un, c'est les gens de l'Ouest. Si tu n'es pas bêté, tu es guéri. Voilà, c'est une vendetta. Tu n'es pas bêté, tu es guéri. On te mute là-bas, là. C'est sans âme. Mais avant, par quelqu'un ici, dans son allocution, il a dit, et j'avais écho de ce que ces supposés djihadistes-là allaient attaquer. Mais quand on a écho là, pourquoi on n'allègue pas l'armée? Pourquoi on ne met pas, on ne crée pas l'état d'urgence dans le nord là-bas? Mais non, tous ces gendarmes qui suivaient dans le nord là-bas, là, ils sont sans âme. Et pour répondre à ta question, Maïliba, tu as dit pourquoi ces gens-là ont créé des noms bizarres? C'est parce que on les mute là-bas pour les faire du mal. C'est tout. Par exemple, on sait que là-bas, là, quand on va les mettre là-bas, quand ça a commencé, c'est eux qui ont tué. Vu que quand ils vont en mission là, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Soit vous imaginez. Gendarmes, ils sont 10 d'un poste de combat. Vous êtes assaillant, venez à 100. Nous, on vous descend. Ce n'est pas du jeu. 10 gendarmes qui sont armés d'un poste de combat. Vos djihadistes, vous avez, ils sont 30. On va les descendre. Ce n'est même pas du jeu. Mais vous voyez comment les FC étaient tués. Ils n'avaient pas d'âme. Et surtout les âmes là. On me dit que c'est des âmes de fabrication colombienne. Maintenant, on sait que la Colombie ne dort pas. Comment vous payez âme et la Colombie? Non, on ne comprend pas. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Donc au fait là, ces attaques à répétition visent d'abord à jeter le peuple sur l'opposition. On dit c'est Soro, un pays c'est au nord. Mais quand ça a commencé à l'ouest, c'est le Probago. Donc au fait là, ils sont en train de formater les gens pour faire croire que c'est l'opposition qui est en train d'attaquer. Or que eux-mêmes, c'est les miliciens. C'est eux-mêmes les miliciens. Parce que Ahmed Bakayoko, il sait très bien. On parle d'attaque ici, de forces qui ont été tuées. Toi, tu parles de narcotrafic. Ça a quoi à voir avec ça? Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi juxtaposer les faits? Pourquoi? Mais où tu avais même l'occasion de parler de narcotrafic? Quand tu as accusé ici, là, il fallait faire communiquer pour dire non, je ne reconnais pas les faits. Mais tu as parlé. Tu as fait tu sais écrit, tu as fait papier. Maintenant, aujourd'hui, ici, là, on attaque les gens. On ne parle pas de narcotrafic. On dit non, pour ceux qui sont attaqués. Toi tu viens, non, djihadiste et narcotrafic. Il n'y a pas de djihadiste en Côte d'Ivoire. Voilà. On parle de djihad, c'est la guerre sainte. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Donc en aucun cas, les djihadistes vont prospérer ici. Voilà. Eux ils prospèrent dans les terrains qui leur sont favorables. Un djihadiste là, c'est où c'est favorable, là, il peut prospérer. Voilà. Où il y a l'islam qui est répandu jusqu'à en fatigué là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Même dans le nord là, il n'y a pas de musulmans là-bas. C'est les chrétiens. Les Tunifous, les Takbana, là, c'est les chrétiens. Voilà. Donc, aucun djihadiste pourra prospérer là-bas. Donc, pourquoi tu ne dis pas les djihadistes? Ce n'est pas les djihadistes. Voilà. C'est juste vos miliciens, là, que vous avez activés. Vu que nous sommes à 6 mois d'élection, il faut commencer maintenant à actionner vos réseaux mafieux pour pouvoir maintenant attaquer, s'aimer la chérie, afin de mettre basse le pouvoir. Parce que Ouattara l'a dit ici, il est temps que le pays est stable. Si le pays n'est pas stable, là, lui va demeurer président. Donc, au fait, là, vous nous emboîtez le pas. Et c'est ça qui est question. Pourquoi venir associer le narcotrafic au poste des FSI qui sont attaqués? Donc, vous culpabilisez. Ça, on appelle ça faire votre mea culpa. Donc, comme je le disais, le jeune gendarme, là, il aura tous des problèmes. Celui qui l'a pris vivant, là, le gars qui l'a retrouvé, il aura des problèmes. Pareil pour le jeune, là, le jeune Oro. Qui était à l'escadron de tu sais pas, tout bas, qui était en mission au dîner.
On dit pourquoi ils ne l'ont pas tué. Et qu'ils ont tué le FSI, pourquoi ils ne le tuent pas? Donc, raison pour laquelle, depuis longtemps, il est convoqué. Donc, mon petit Mao, voilà, gendarme là. En tout cas, prie Dieu que tu as envie. Mais peut-être que tu as envie, là, avec tes félicités, tu vas faire prison pour ça. C'est pourquoi ils ne t'ont pas tué. C'est ça la gendarmerie, c'est quoi une histoire? Pourquoi toi, ils ne t'ont pas tué? Et ils vont t'accuser que peut-être que tu savais que tu es de connivence, c'est la raison pour laquelle tu as fui. Mais pourtant, eux-mêmes savent dans quel schéma ils sont. Mais il faut chercher des boucs émissaires, des innocents, pour les faire couper le chapeau. Soudain, Ahmed Brayeko, il savait qu'il allait avoir attaque. Voilà. Makoso savait ça, Makoso là. Makoso savait ça. Voilà. Donc, on commence à nous préparer psychologiquement. Quand Makoso vient faire une vidéo avant-hier, pour dire ouais, je sens que je suis préparé. Je sens, j'ai fait un songe. Et puis en même temps, en moins de 6 heures du temps, bayan, ça frappe. Et après encore, en moins de 24 heures, ça frappe. Donc, en fait, ils sont devenus préparés à une violence qu'ils vont nous infliger. Et c'est ça qui est la vérité. Makoso, il en sait. C'est pas comme si la vidéo. La vue ici, Makoso. Makoso, ici, il a dit ça ici. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Il veut nous formater. Ils savent dans quoi ils sont. Makoso, où est Makoso, c'est ça. Makoso, il est où ça? Makoso, c'est pour le chercher le papa. Hein? Il y a la vidéo passait pas, mais ouais, j'espère que ça passait aujourd'hui, mais ta vidéo passait pas. Ça passe pas, oui ça. Non, et même ça passe pas. C'est moi qui s'est fait ticher. La vidéo passe pas. Il fait parler ma course, la vidéo passe pas. Ouais, c'est un champion. Attends. Et c'est pas vous ça pour WhatsApp. Un instant, voir. WhatsApp. Non, WhatsApp ici. C'est un féticheur. Bon, ça fait rien. Tout compte fait, les gens écoutent la vidéo. On sait que Makoso avait prévenu. Donc, Makoso, il est au courant. Voilà. Vu que Makoso est la nouvelle recrue d'Ahmed Bakayoko, on se sert de Makoso pour pouvoir véhiculer le message. Parce qu'on dit, ah, Makoso, il a l'audience. Voilà. Quand il fait la vidéo, il y a 6000 vues. Donc, il peut mieux. Fais la propagande. Sinon, attaque à celui qui ne prend pas. Parce que Makoso lui a dit ça. Makoso a fait quelque chose. En banque, même le confirmer. Quand lui, il vient, il nous parle de narcotrafic. Ce qui n'a rien à voir avec l'attaque de l'opposition. Tu veux jumeler des djihadistes aux narcotrafiquants. On cherche un port. Mais pour chercher un port, là, on n'a pas venu taper par Korogo. Il n'y a pas port à Korogo là-bas. Ni à Kafolo. Le port se trouve ici, à Sassandra. Non, on peut taper par le Libéria ou bien la Guinée. Mais pourquoi c'est fatigué? Pourquoi c'est fatigué? Donc Makoso et Ahmed Bakayoko, ils savent dans quoi ils sont. Voilà. Parce que Makoso, c'est la nouvelle recrue. Voilà. Il est là pour la propagande. Comme lui, il a beaucoup de vues là. Parce que vous voyez, hein, qu'il fait une vidéo, lui pleure pour les vues. Un gars qui pleure pour les vues. Mais sa femme est décédée, il ne pleure pas pour elle. Mais pour les vues, il pleure. Il pleure pour vues ici. Partager. Mais sa femme est morte ici. On n'a pas vu pleurer ici pour sa femme. L'homme qui a songe, qui peut porter la pensée de toute une nation, 20 millions d'habitants, lui peut voir les songes. Mais dans ta propre maison, tu ne viens pas 100 mètres carrés. Le danger vient. Tu n'es pas capable de voir le songe qui vient attaquer, prendre ta femme. Toi aussi, tu es pasteur. Toi aussi, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu as la vision. Donc, Ivanien, ne soyez pas surpris. Les gens sont en train de nous préparer à une violence inouïe. Voilà. Les gens sont en train de lui préparer sécurisément à une violence commune. Voilà. C'est Makoso qui a alarmé les gens. Qui lui a dit, il sent ça. Il sent quelque chose va se passer. Et en moins de 6 heures du temps, en même temps, Baya, il doit attaquer Kafolo. Moins de 24 heures, Baya, au dîner. Sinon, moi, djihadiste qu'il connaît là. Eux là, c'est des sanguinaires, ils ne se cachent pas. C'est comme des kamikazes. Mais on dit, djihadiste s'est caché, il s'est embusqué dans le buisson pour tirer ses gendarmes. Vous avez vu ça, vous avez. Djihadiste qui se cache pour tirer. Et puis il fuit. Ça, dans le combat, on appelle ça le harcèlement. Alors que le djihadisme lui, n'harcèle pas. Lui, c'est les cibles, c'est les civils, là, les cibles faciles qui tuent le djihadisme. Ou il peut avoir confrontation là. Le djihadisme n'aime pas ça. Voilà. Ou il aura confrontation là pour dire, on a échangé un coup de feu là. Le djihadisme, lui, il ne veut pas sentir ça. Lui, il est dans un village, il ne sont pas armés. Il est tué tous. Ils sont des djihadistes.
Voilà, pour imposer son islam. Voilà. Pour imposer son islam. Voilà. Mais au nord, là, il n'y a pas, c'est pas du tout musulman. Il n'y a pas musulman là-bas. Ils sont petits là-bas. Voilà. Au nord, là, il y a les Kagbana. Il y a les Senoufo. Ils sont chrétiens. Ils sont animistes. C'est un seul qui est musulman. Voilà. C'est un seul qui est musulman. Le un seul là. Et puis il ne fait pas bien musulman, puis il boit champagne. Donc vous ne parlez de quoi? Voilà. Dans le djihadiste là, quand il veut prospérer là, c'est un terrain qui est favorable à lui. Voilà. Un terrain qui lui est favorable, c'est ça, il attaque. Et on dit non, Ahmed Bakayoko dit non, on cherche un aboutissement au port. Moi je vois, il y a Korogo jusqu'à Abidjan. Tu sais que le combat il aura? Tu sais que le combat il aura? Mais s'il y a un chemin qui est facile, prends les pas, prends la lisière des frontières, soit c'est pas Guinée et puis Libéria. On tombe à Grand Bérébi, bam, il y a une frontière qui est là. Voilà, voilà la mer qui est là. Mais pourquoi commencer par le nord? Pourquoi commencer par le nord, c'est comme si c'était rébellion. Ah, ou bien c'est nous on fait rébellion quoi. Hein? Donc les gars, ne soyez pas surpris. Voilà. Tout a été planifié. Souvent, où on voulait que Ahmed Bakayoko parle du narcotrafic, où on voulait qu'il parle là, c'est quand les journalistes sont accusés. Il ne devait pas venir faire un tweet pour dire non, je suis victime de calomnie, n'en dépend de l'église. Tu devais venir faire une vidéo pour parler, pour dire ouais, je ne me reconnais pas dans les faits. Tu devais parler de vive voix. Mais là, tu ne parles pas de vive voix quand il s'agit de narcotrafic. Maintenant, comme tel est vrai lâche, il y a eu des morts. Il y a une personne qui a été attaquée, ça fait des morts. Toi, tu as profité pour parler de narcotrafic. Que non, c'est les djihadistes, elle est de narcotrafic. Au fait, tu es en train de lui passer un message pour dire ouais, vous êtes déterminé à pouvoir s'aimer la chenille en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il est question. Sinon, encore, il n'y a pas de djihadistes. Voilà. Eux sont aux frontières. Les djihadistes, ils sont aux frontières. Ils ne sont pas dans les contrées. Ils ne sont pas à Abidjan ni à Korogo. Ils sont dans les frontières. Parce que le diable, c'est la guerre sainte. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est idéologie religieuse, musulmane. Il n'y a pas de djihadistes chrétiens. Voilà. Donc, c'est le pays où ils prospèrent. Là. C'est le pays où il y a les fortes communautés musulmanes. Nous, dans le nord, dans le Korogo, dans le Sinématali, là. Les musulmans là, ils sont rares. Sinon là-bas, c'est les féticheurs. Voilà, maintenant, Korogo, c'est les féticheurs. Et puis, c'est les chrétiens. Le seul musulman qui était là-bas, c'est le papa de la mère blindée. C'est lui qui était musulman. Sinon, le papa de Soumé, c'est un féticheur. Voilà. Et les poivres tapalo. Et tous là-bas, c'est les chrétiens. Depuis quand vous avez vu chrétien et djihadiste, vous avez vu ça ou ça? Que vous mentez sur les gens de Korogo? Non, c'est les djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, les djihadistes. Voilà. Donc, vous savez à quoi vous voulez préparer. Voilà, vous voulez préparer la violence pour brigander les élections. Mais on est vigilant parce qu'on va vous dénoncer. Voilà. Il faut plutôt répondre aux journalistes là. Il faut faire comprendre les presse, M. Ahmed Bakayoko. Voilà, prends ton micro, viens parler pour dire non, vous m'avez accusé, c'est une conspiration. Et puis tu parles. Mais c'est pas tu, mais c'est pas Zasso qui a venu te donner des conseils. C'est quand Zasso il t'envoie un SMS ou t'envoie une capture d'écran d'un poste américain. Et puis vous réfugiez derrière le poste américain. Et je vous ai dit. Situation de prise d'armes, ça n'a rien à voir avec le terrain. C'est ce que vous relayez et relayez. Voilà. Sinon, là, pourquoi tu n'as pas parlé de les 30 tonnes de pain et 3 tonnes de cannabis qu'ils ont pris à Boubou là? Il fallait parler de ça aussi. Voilà. Il fallait parler de ça. Donc, sachez que, amis du RDR, on est déterminé. Vous n'êtes pas vous distrait. Et puis, gare à vous, l'élection, ne coupez pas Internet. Hein. Président, on va venir aussi. Ça, c'est l'un de vos plans matabilites. Voilà, vous voulez couper l'Internet. Voilà. Mais ça aussi, on soumet ça de près. Même si vous coupez, on aura nos satellites, nos drones, pour nous donner des informations. Vous voyez, vous devez quitter le pouvoir en 2020. 20 ans de souffrance, ça suffit. Et ça rime bien. 20 ans de souffrance, on en 2020, quitter. Parce que vous avez commencé à faire souffrir la Côte d'Ivoire en 99. Bon, ça compte pas, là, c'est Boissou. Mais depuis 2000, Ouattara ne laisse pas les Ivoiriens en paix. Opposer les Ivoiriens. Et on nous parle de quoi? Djihadistes, narcotrafic. Mais c'est toi le narcotrafiquant, Ahmed Bakayoko. Viens te justifier que de faire de la juxtaposition. Tu parles de narcotrafic, tu parles de djihadistes. Ils ne peuvent jamais s'associer. Voilà. Ils ne peuvent jamais s'associer. Parce que les djihadistes, ils ont leur vertu. Ils ne se mélangent pas. Je suis djihadiste, c'est pour l'islam. Ils ne veulent pas venir faire drogue. Jamais, ils ne font pas ça. Donc, toi, tu mens pourquoi? Mais si tu sais bien, si tu es bien placé pour savoir ça, c'est que
Tu es dedans, tu es le chef. Donc, tu connais le mode opératoire. Il dit quoi? Voilà. Donc, c'était ça. Hermas RSK, c'est comment? Voilà. Donc, moi, Philippe Bailly. On attend encore la suite. Question. Je vais mettre mes patrons pour dire que pas fait. Ah, mes patrons, au moins, il y a 5 minutes. Mes patrons ont dit, ah, il y a fait 55 minutes avant. Question, les gars. Donc, retenez que le pouvoir de Côte d'Ivoire nous prépare psychologiquement à une violence. Voilà, c'est les prémices qui sont là, qui ont été annoncées par Makosso. À peine il a parlé, 6 heures du temps après, Bayaï. 24 heures du temps après, Bayaï. Et ça va continuer. Sinon, en temps normal, à même pour quelqu'un dans son allocution, il a dit, et il savait ça. Mais quand on sait quelque chose, on anticipe. Mais au nom là, les gens qui sont là-bas, là, ils n'ont même pas d'âme à feu. Tout le monde sait ça. Ils n'ont pas d'âme à feu. Ils n'ont même pas de calache. Si la calache, c'est une sale calache. Ou même si la calache, vraiment, il y a deux munitions. Est-ce qu'on peut faire un combat avec deux munitions? Même pas des RPG, même pas des AA-52, même pas des 12-7. Bon, comment on peut repousser la salade? Plaisantin. Allô? Allô? C'est bon? C'est comment, Christian? C'est comment? Voilà, il faut taper 5 minutes là-bas, hein, qui disent là. D'accord. Les gars là, vraiment, ils prennent les gens pour des idiots. Ils prennent les gens pour des idiots. Ils prennent vraiment les gens pour des idiots. Parce que ce qu'il est en train de raconter là, ce que Ahmed est en train de raconter n'a pas de sens. N'a pas de sens. Je ne sais pas qui est son conseiller. C'est Zasso. Zasso, le conseiller Zasso. Je ne sais pas qui est son conseiller. C'est Zasso. Je ne fais pitié. Le type, il était déjà dans les problèmes. Vous venez l'enfoncer en porte. Ah. Bon, c'est comme il a dit là. C'est parce que le bas, il est ministre de la Défense, mais il n'a jamais fait la paix. Ouais. C'est pour cela qu'il parle comme ça. Moi, je veux occuper une position. Cette position-là se trouve en bordure de... Au sud de la Côte d'Ivoire, au sud. Voilà, c'est ce qu'on fait au sud. Et moi, je commence à attaquer les positions du nord. Mais ça n'a pas du sens. Ça n'a aucun sens. Si encore, on m'avait dit, bon, ils ont attaqué les positions à Tabou. Ou bien à Grabo. Qu'ils cherchent à se rapprocher du port de San Pedro, je leur ai dit, bon, c'est insensé, mais au moins on peut donner, comme on appelle ça, le bénéfice du doute. Ah ouais. Mais toi qui es ministre de la Défense, tu dois avoir des militaires autour de toi. Et tu viens raconter des anéries comme ça. Même un pipe en haut, celui-même qui vient de finir là, la FCB là. Mmh. Il ne peut pas raisonner comme ça, c'est pas possible. Ouais. Deuxièmement, le djihadiste là, pour que ça rentre bien dans son oreille, le djihadiste là, qui avait déjà dit ça, mais il va répéter, comme on dit là, en répétition pour pédagogique là. Ouais, répétition donc. Le djihadiste là, où il sait que quelqu'un d'autre peut tirer sur lui là, il ne va pas là-bas. Il ne va pas là-bas, jamais de la vie. Il ne va pas là-bas. Le djihadiste, il va où les gens sont sans armes, sans défense. Bah ouais. Et il cherche à prendre le maximum de personnes. Ouais. Et c'est comme ça que le djihadisme fonctionne. Il ne fait pas, d'affrontement. Ouais, ouais. Le djihadisme, c'est pas un combattant. C'est un lâche. Il vient, il prend les gens qui sont sans défense, et puis soit il fait exploser, ou bien il vient avec une attaque. AK-47, il rafale dans le coin, puis il se cherche. C'est tout. Mais il sait que ce sont des positions militaires. Et il va là-bas, au frère. En bas, pardon. C'est-à-dire que tu peux raconter ça à celui qui n'a jamais fait l'armée. C'est ça que tu peux raconter à ces gens. Il faut chercher autre chose, parce que ça, là, ça ne tient pas. Et il y a un gars qui pose une question là, tu peux répondre à ça. Il dit, il s'appelle Dieu, courage, richesse. Il dit,
je veux savoir pourquoi la RTI était présente lorsque on a interpellé les 30 Burkinabés à Boaké. Était-ce une mise en scène? C'est ça. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Quelle une coïncidence? On ne comprend pas. C'est ça. Voilà. Parce que les gens, ils veulent nous prendre comme des idiots. Et comme ils ont des idiots dans leur rang, ils pensent que tout le monde est idiot. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent faire pour ça. Ouais. Hein? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que vous savez que les gens allaient attaquer. Vous savez que les gens rôdent autour de nos frontières. En tant que militaire, si je sais qu'il y a des gens qui rôdent, ben je fais l'offensive. Oui, oui. C'est tout. Si je le sais, je fais l'offensive. Oui, oui. C'est tellement simple. Moi, quand Ahmed Bakayoko parlait, il y avait le chef d'état-major qui était à côté de lui. Bah ouais. Donc, lui-même, quand il entend ces années, lui, il a fait l'école de guerre. Il a fait l'école de guerre. Il a un diplôme d'état-major. Mm-hmm. Quand il entend ces conneries-là, est-ce qu'il ne peut pas l'interpeller? Mm-hmm. Vous dites, mon gars, ce qu'il est en train de dire là, non seulement tu mens, mais tu nous fous dans la merde. Nous, qui sommes militaires là, tu nous fous dans la merde. Maintenant, vas-y, il y a qui pose une question. Il s'appelle Samuel Begré. Il dit, mais Ahmed Bakayoko vient de nous confirmer qu'il y a la drogue au port. Bah, ici, comment il sait que les gars cherchent un appartement au port? Mais c'est ça. Comment il sait ça? Donc, c'est qu'Ahmed sait qu'il y a la drogue au port. C'est qu'il y a la drogue au port là-bas, à Karina. Si vous avez dit qu'ils ont arrêté certains, ils les ont interrogés, mmh, ils ont donné ces aveux-là, mmh, on ne peut pas comprendre. Même pas d'aveux, tant qu'ils parlent à leur place. Mais c'est que les chefs. Voilà, tu enlèves ça où? Ces affirmations-là, tu les enlèves où? Ah. C'est-à-dire, tellement qu'ils sont dans le mensonge, c'est-à-dire qu'ils se disent, et si plus ils se dédisent, ils se concrétisent, c'est vrai, on ne sait plus quoi. C'est grave. C'est un pays comme la Côte d'Ivoire qui veut se faire respecter. C'est pas possible. Et des gens, on s'en va les mettre dans des positions là-bas et puis on les sacrifie. Parce que c'est le mot. Ouais, les sacrifices. Allez mettre des militaires dans une position et puis vont vous donner leur position. De la même façon qu'ils ont fait en 2010. Ouais, ouais. Dites, venez, asseyez-vous ici, surveillez cette rivière. Et puis bon, terrible, il y a quatre bâtards qui sont là-bas, allez les tuer. Maintenant, ils ont tué 12 personnes. D'ici deux semaines, ils vont aller mettre encore d'autres personnes là-bas encore. Hein? Ils vont aller mettre d'autres personnes là-bas encore et puis les tuer. Hein? C'est pas sérieux. Ah ouais. C'est pas sérieux ce qu'ils font là. Ouais. Hein? Toi, Ahmed, on t'a dit, il y a deux journalistes. Deux journalistes ont dit que. C'est pas qu'on leur a dit quelque chose. Ils disent, toi, tu es un vendeur de mourou. Dans l'Afrique de l'Ouest, là, qui est le chef de ça. Ouais. Maintenant, toi, tu dois prendre tes testicules à deux mains, venir t'asseoir pour dire, bon, comme vous mentez sur moi, là, je vais vous affronter. On va faire la justice. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu vas te cacher derrière le titre de ministre d'État, ministre de la Défense, pour dire, ouais, que non, c'est le pays qui dénigre. Non, on parle de l'individu. C'est toi qui es vendeur de mourou. Maintenant, en tant que vendeur de mourou, là, tu prends maintenant le titre que nous, Ivoiriens, t'avons donné là, et puis tu traînes ça dans la boue. Ouais. C'est pour cela que nous, Ivoiriens, on te demande le titre qu'on t'a donné là. Dans le premier temps, il faut déposer ça, il faut nous remettre. Et puis maintenant, tu vas affronter ces journalistes-là. Pour un truc aussi grave, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant peut-être 3 ou 4 jours que l'histoire est éclatée. Ouais. Normalement, soit l'État des Côte d'Ivoire aurait déjà engagé une procédure pour dire bon, on pose plainte. Et puis maintenant, Adou Richard doit s'auto-saisir. Adou Richard, il a fui. Hein? On ne voit plus, il a fui. C'est ça. Mais quand tous ces gars, toutes ces personnes, ils doivent protéger l'État des Côte d'Ivoire avec les institutions, quand ils ne bougent pas pour une affaire comme ça, là, ils sont complices tous. Ah ouais. Tous complices.
Voilà, c'est qui est malin là. Christian. Oui. Faut pas lui donner conseil, sinon il peut s'en tirer. Non, on veut qu'il reste. Faut pas lui donner conseil. Oui, non, ce que je veux dire là, ce que je veux dire là, s'il est malin là, il n'a qu'à tirer. Et puis tout ce avec qui il a vendu mou là, les tirer, c'est-à-dire qu'ils vont descendre avec lui. Bah ouais. C'est tout. Parce que si c'est fait là, lui seul, c'est lui seul qui va endosser ça. Ouais. Il n'est pas dans le même cas que Soro. Soro, ce sont des trucs d'État. Il peut garder dans son ventre pour mourir. Il y a certaines choses. Ouais. Mais là, c'est l'affaire de Mourou. Ça n'a rien à voir avec le secret d'État. Ouais, ouais. Donc, Ahmed, vos frères, vous dites leur nom et puis on va avancer. Ouais. Parce que le truc là, ça est sur ton dos. Le paquetage, il a déjà ça. Tu ne peux pas déposer. Ah, c'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd pour lui. Il ne peut pas déposer, c'est pas possible. Ça, c'est un paquetage d'officier. Il ne peut pas déposer. Donc, si tu es malin là, viens te mettre à table et puis remplir. C'est tout. Ah ouais. Parce que, ils vont tuer les gens comme ça, cadeau. Donc, ça fait mal. Les 12 personnes, là, ils sont morts comme ça, cadeau. Ah ouais. Ils les ont sacrifiés comme ça, cadeau. Et pourquoi Ahmed qui va venir dire le contraire ici? Ouais, ouais. La seule personne qui dit qu'ils auraient arrêté. Mais ils n'ont qu'à venir le déposer devant la télévision. On va lui demander, il est quitté où? Ouais, ouais. On va lui poser la question, il est quitté où? Quand les blancs ici, ils attrapent, ils combattent les plus russes là. Le jour qu'ils ont attrapé, un net pour mettre en photo, tu le fais à la télévision. Ouais. Pour un cas aussi grave, quand vous avez attrapé quelqu'un, mettez sa photo, on va pas se faire. Je te jure, si c'est pas un des démobilisés là, c'est que c'est pas moi. Ouais, c'est eux. C'est sûrement un des démobilisés là. Mettez sa photo, on va voir. Okay. Donc, il faut que tu vas aller couper un bras. Yep. Allô? Ok, à fois, ok, donc on a ensemble pour t'aider. Oui, ciao. Bon, les gars, voyez Maposo aussi qui. On va écouter. Maposo, l'homme qui rêve, songe, le songement. J'étais comme ça pour se faire voir. Le jour où Ahmed Bakayoko n'est plus ministre de la Défense, je vous dis, moi, Camille Maposo, écrivez et gardez. Vous allez à banquer dans ce pays. Ceux qui veulent frapper ce pays ont réussi leur mission. À cette reprise, je ferme mes yeux, je dors. Quand je me réveille, le songe que je fais, c'est coup d'état. Je dors, je me lève, c'est coup d'état. Je prie, je reconnais, c'est coup d'état. Les gens sont en train de préparer un coup d'état tellement bien organisé que pour réussir ce coup, il faut frapper le cœur de la défense et de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Tout ce que vous voyez autour n'est qu'un préparatif de coup d'État. C'est un complot bien orchestré, bien organisé, bien planifié. L'homme qui nous gêne s'appelle Ahmed Bakayoko. Il faut l'enlever. On peut l'enlever pour dire quoi? C'est un vendeur de drogue. Voilà, donc c'est comment bien? Donc c'est Amba qui fait coup d'état. Il veut faire sauter Ouattara. Selon le dit de Makoso. Non, monsieur Ouattara. Ahmed Bakayoko vous fait un coup d'état. Donc, en tout cas, vous êtes prévenu. C'est Makoso qui a dit ça. Je suis sûr qu'on est ensemble. À craindre.